je t'emmène avec moi sur un bâtiment qu'on est en train de rénover. Alors, il faut savoir que c'était un garage. On a changé l'affectation et on l'a transformé en habitation. Ce garage, on a pour projet d'y faire et pourquoi pas de te vendre cette colocation. En fait, on va créer à l'intérieur 3 chambres et 2 salles de bain. Ça va ? Ça va. Bonjour. Ça va aller ? 25. Ça va ? Et toi ? T'avances ? Bah, moi, oui. Hein. C'est bien. Ça va ? Ça va Mireille ? Il est où Alex ? Il est là-bas ? Il se cache ? Ça va Alex ? Ouais, j'irai après. Et tu... Assure tes arrières déjà. Alors, pour t'expliquer un petit peu ce bâtiment, là, on est vraiment en pleine rénovation. Ici, ça va être la cour extérieure. On va faire une baie vitrée à ce niveau-là. À ce niveau, au niveau de la toiture, on va la retirer complètement pour donner vraiment une sensation de clarté et de lumière. Viens avec moi. Comme tu peux le voir déjà, bah, toutes les gaines techniques au niveau électrique sont déjà passées. Pareil en ce qui concerne la plomberie, c'est déjà également passé. Et là, on est en train de faire l'isolation, le placo. On est vraiment en train de tout rénover. Viens, je vais te faire voir. À ce niveau-là, il y aura une salle de bain. Comme tu vois ici, on a des chambres qui sont assez spacieuses et on va y faire sur chaque chambre des Velux. Les Velux qui vont être électriques, qui va donner, comme je te l'ai dit, encore un peu plus de clarté à ces pièces-là. Là, on est sur une chambre qui fait à peu près 10 mètres carrés. Il faut savoir que les chambres qui sont juste à côté sont un petit peu plus grandes. Il y en a une de 12 et une qui fait à peu près 13 mètres carrés. Hop. Je peux passer, Alex ? Ouais. Hop, t'embêtes pas. Ouais, merci. Alors, juste ici, on va y faire un toilette. Et là, je t'emmène avec moi aussi, juste là, si tu as un peu de lumière. Donc ici, ça va être la salle de bain avec les douches, plusieurs meubles vasques pour les colocataires. C'est une rénovation entièrement complète. Tu sais que j'aime à te rappeler ce que c'est la boîte à chaussures. Toute l'isolation, les doublages ont été faits partout. Les matériaux seront de qualité, la décoration, bref, c'est un projet qu'on va vendre clé en main. À qui on propose ce type de projet ? Eh bien, aux personnes qui viennent à mes séminaires, à IMO Pro 4 par exemple. Bien le 6 avril, on te présentera ce type de projet. Alors, il faut savoir que ce bien, une fois terminé, va pouvoir dégager un différentiel positif. Puisque, comme je te l'ai dit, on a créé 3 chambres avec la valorisation de la location qui va pouvoir être faite dedans et en corrélation avec le prix de vente, peut rapporter 10% de rentabilité sur ce projet-là. L'avantage également de cette colocation et pourquoi on a décidé d'en faire une colocation, c'est également du fait qu'on est à peine à 50 mètres de l'université. On a une université qui est juste collée à côté de ce projet locatif. Et ça, c'est le gros avantage de ce bien immobilier et c'est pour ça qu'on a décidé d'en faire une colocation. Bien évidemment, c'est un bien qui peut se revendre également pour une famille. Bref, il y a énormément
d'options. Je voulais quand même te faire voir ce type de projet parce que, eh bien, avec la société, ma société de bâtiment, Probat Locatif, voilà ce qu'on fait en type de rénovation. On fait des grosses rénovations. Également, je voulais te le faire voir parce que c'est ce genre de projet que je peux t'amener à te vendre, à te proposer lorsque tu viens à mes séminaires, lorsque tu viens avec moi dans ma masterclass. Et c'est pour ça que je te dis ben, à très bientôt. Contacte notre société de bâtiment si tu as besoin de nous. N'hésite pas à t'inscrire au séminaire le 6 avril, ça arrive, c'est très bientôt. Et peut-être que tu feras partie de ces nombreux clients qui ont investi avec moi et qui ont acheté des biens rentables. Si tu as aimé cette vidéo, c'est bon, t'inquiète pas. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas, tu la likes, tu la commentes, tu la partages. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.